Bonjour, monsieur Vipo. Bonjour, monsieur Jean-Claude. Le cardinal Song. Ah, le maître. Là, je vous vois en forme. En forme, plein forme. Mon conservagnon. Matassam. Bon, aujourd'hui, je suis avec vous sur ce plateau, ce beau plateau. J'ai quelques questions à vous poser en ce qui concerne la jeunesse actuelle et les études. Oui. Comment ça évolue en RDC, précisément ici, dans la province de Haut-Katanga? Selon vous, quels sont les propos que vous avez constatés par rapport aux jeunes qui sont encore étudiants aujourd'hui? Est-ce qu'ils étudient de la même manière que nos anciennes élèves, nos pères qui ont aussi passé par les bancs de l'école? Bien, ça a un peu changé de façon. La parole est à vous. Oui, oui, M. Jean-Claude, vous avez posé une très belle question. Je sais bien, j'espère vous répondre. La question a bien été réfléchie. Vous avez posé une très belle question. Les élèves d'aujourd'hui, je vais parler des élèves d'aujourd'hui et je dis au peuple qui me suivait à ce moment, les élèves d'aujourd'hui, c'est des choses, c'est comme au mouvement des masses, je peux le dire. Les anciens élèves étudiaient, aimaient les études et avaient étudié dans les temps passés. Au temps du moment, je vois les élèves fumer, les élèves se déambuler, les élèves injurer de professeurs, je peux le dire. Bon, je crois que très bien, les élèves d'aujourd'hui n'ont pas la maturité à eux. Ils ne sachent pas ce qu'ils font à l'école, mais j'ai dit à partir d'aujourd'hui, il faut que vous achetez. Les études vont vous amener quelque chose dans votre vie, qui va changer votre vie. Et M. Jean-Claude, vous avez posé une très belle question. Et je m'intéresse aussi à la population qui me suit en ce moment. Moi, on m'appelle souvent Baba Yabo, Cardinal Song, le maître de tous les temps. Je dis aux élèves d'aujourd'hui, il faut aimer les études, car c'est les études. Tu peux devenir un président sans pour autant étudier. Qu'est-ce que tu feras de la vie? Il faut aimer les études, je dis. Bon, merci beaucoup, le cardinal Song. Bon, quels sont les conseils que vous allez quand même donner aux élèves qui nous suivent en ce net moment et aux jeunes qui nous suivent, les conseils de la vie, les conseils des études? Donc, quelques conseils seulement que vous allez vous adresser au peuple qui nous suivent. Bon, les conseils en eux que les élèves, il faut seulement aimer les études comme vous aimez manger. Est-ce que tu peux seulement rester sans pour autant manger? Tu peux vivre sans pour autant manger? Il faut aussi aimer les études car c'est les études qui vont t'apporter les à manger. Oui, oui. Bon, merci beaucoup, M. Vidbo. On est avec lui sur ce plateau, le cardinal Song. Donc, il est quelqu'un de très important dans la vie. Bon, Vikibo, des mots, des salutations pour que nous continuions en beauté. Merci. Bon, je salue les nobles, les grands réalisateurs qui nous réalisent en ce moment. Et je salue aussi les Kurunziza, les cours du moment, l'homme sage, l'homme sans panique. Je salue aussi Baba Yabo et Reus, les grands Baba Yabo du moment. Et je salue aussi Pyromane, autorité morale, sans pour autant oublier les bergers, les infirmiers. Bon, merci beaucoup à tous qui nous regardaient. Moi aussi, je vais ajouter quelques mots pour terminer. Vous savez, la jeunesse n'est pas une étape d'ambiance charnelle ou une période de faire du n'importe quoi parce qu'on est jeune. Mais nous devons savoir que la jeunesse, c'est un passage moral qui prépare un homme vers sa destinée, qui prépare donc un homme vers sa vieillesse. Donc vous devez être conscient qu'un jour je serai vieux. Alors, où passeras-tu ton vieillesse? Donc il fallait vous réfléchir beaucoup et il fallait aussi penser à la vie de demain. Là, je vois le grand adorateur noble, Zigoto, donc l'individu qui s'est fait remarquer. Mes respects beaucoup vraiment, mes grands. Et je vois aussi la présence de Baba Yabo, Zingi Tabasokrat, Chili, en train de nous regarder. Autorité morale, Yannick Chili, le pyromane, pas de panique. Ah, Ngaye, là je vous vois, je vous passe mes salutations. Je ne peux pas oublier les bergers Ezekiel Chili,